Je suis passé en semi-direct sous couvert il y a maintenant 14 ans. On est en semi-direct intégral sur l'ensemble de la ferme. On doit réduire des charges en travaillant moins les sols et en parallèle, on doit arriver à au moins au démarrage stabiliser son rendement pour, sur le long terme, l'augmenter. À partir du moment où on commence à rentrer sur une diminution du travail du sol, vous allez avoir automatiquement du gain de marge nette qui s'opère. Souvent, pendant les 2 premières années, on va nettoyer nos stocks de graminées en faisant des enchaînements de pois colza, de pois févrole. Et après, une fois qu'on estime que notre stock de régras vulpin, en tout cas de graminées, est bas, on se met à faire des pailles sur pailles pendant 4 à 5 années consécutives en semi-direct sous couvert. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de salissement, on est capable sur une parcelle de revoir totalement l'assolement parce qu'on n'est pas, on n'est pas confiant avec la culture que l'on va mettre en place derrière. Ce n'est pas la hauteur qui fait la production de biomasse, c'est vraiment la densité du couvert. Il faut que votre couvert soit très dense et que les étages soient extrêmement exploités. Bonjour à tous. Cette classe virtuelle a eu lieu dans le cadre de la formation Se lancer en agriculture de conservation des sols. C'est une formation en ligne et en présentiel de 90 heures qui aura lieu cet hiver et qui vous donne toutes les clés pour vous lancer sereinement en agriculture de conservation des sols. Elle est finançable CPF et Vivea et vous trouverez toutes les informations, le programme et les intervenants en description. Bonne vidéo. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette session de formation, d'échanger, de partager avec vous, hein, de récupérer, de comprendre bien vos besoins pour essayer d'apporter le maximum de réponses aux questions que vous avez. Voilà. Je vais donc on a 2 heures ensemble. Voilà, donc je vais essayer de vous partager le maximum de connaissances. On essaie d'être très synthétique dans la restitution. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on passe vraiment une zone de partage. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser le maximum de questions, enfin me poser le maximum de questions pour que je puisse surtout à répondre à vos besoins et voilà, que ce soit très interactif en tout cas entre nous. Je vais me présenter brièvement, puis on va faire un petit tour de table pour qu'on soit au clair. Je vais vous partager la presse. Je vais me présenter brièvement. Donc là, je m'appelle Julien Sonnet. Je suis agriculteur. J'ai une ferme au nord de Paris, donc à 80 km de Paris, dans l'Oise. C'était une ancienne ferme d'élevage. Je suis passé en semi-direct sous couvert il y a maintenant 14 ans. Transition qui s'est étalée dans le temps sur 3 à 4 années. Voilà, puis après maintenant, on est en semi-direct intégral sur l'ensemble de la ferme. Pour vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on cultive à plusieurs. Donc, en fait, j'ai commencé par déployer mon exploitation sur une petite surface, sur la totalité. Puis après, en fait, on travaille en regroupement avec deux de mes salariés. Voilà. Aujourd'hui, on est sur 600 hectares qu'on mène en semi-direct sur l'intégralité, voilà, donc sur des grosses surfaces. Et en parallèle de cela, moi j'ai développé une société qui s'appelle Kiwi Agronomie, où à l'origine c'était un centre de formation, donc on accompagnait les agriculteurs, également les viticulteurs dans leur transition de façon très pragmatique, en étant beaucoup sur le terrain, en expliquant à partir de notre modèle ce qui marchait, les difficultés qu'on rencontrait, on leur expliquait toute cette mécanique-là. Et on a évolué au fur et à mesure, parce qu'on avait beaucoup de demandes des agriculteurs sur toute la partie machinisme également. Où là, on s'occupe d'importer des semoirs, de les reconditionner. On touche à beaucoup d'électronique, on fait tous les passages Isobus. On est distributeur de Metcalfe, Dutch Opener, Burgo pour l'Europe. Et après, on a développé toute une gamme vigne également, parce qu'en viticulture, c'est pareil, ils déploient massivement la partie couverts végétaux. Ils n'avaient pas de solution et du coup, on a mis en place toute une gamme vigne. Voilà. Aujourd'hui, Kiwi Agronomie, on est 10 collaborateurs. Voilà, beaucoup de croissance, donc c'est pas simple à gérer, mais passionnant parce qu'on s'occupe à la fois de mettre en place des projets pour les agriculteurs, essentiellement orientés machinisme, parce que le besoin est là à date. Et on fait beaucoup de déploiements sur le terrain, donc on est beaucoup, beaucoup sur le terrain, tant en viticulture qu'en grande culture. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a vraiment cinq segments, c'est qu'on a le centre de formation. On a nos fermes qui sont vraiment le cœur du réacteur. On a une grosse activité de distribution de pièces. On fait du déploiement sur le terrain.
une partie machinisme grande culture et une partie machinisme vigne. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cela, c'est clair pour vous? Bon. Voilà. En tout cas, le fait d'être, enfin, d'avoir déployé sur le terrain, sur notre ferme, enfin sur ma ferme en tout cas au démarrage, et faire du déploiement et de répondre à plein de questions clients en permanence, parce que c'est toujours des cas très concrets qui se posent à nous, bah, ça nous permet de voir plein de choses déjà sur toute la France. Et puis là, on a plein de cas qui se posent également en dehors de nos frontières. Donc ça nous permet d'avoir une vue très transverse des sujets, à la fois sur le semis, à la fois sur la fertilisation, en tout cas sur toutes les opérations qui sont liées à la régénération, enfin, voilà, pour faire simple. Bon, bah écoutez, du coup, on va commencer. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on arrive à régénérer des systèmes très concrètement, vraiment avec une démarche de paysan, pour être très, très clair avec vous. Alors, en fait, souvent, je finissais par cela, mais en fait, on va commencer par cela. C'est pour vous expliquer en tout cas les résultats qu'on a eus sur la ferme et du coup qu'on a étendu sur les fermes qu'on suit et pour vous expliquer très concrètement. Donc je vous ai mis ça sous forme de quatre briques. En fait, pour vous expliquer, peut-être avant de vous expliquer cela, les résultats, vous expliquer bah, de mon côté pourquoi j'ai en fait j'ai à un moment j'ai dit je change de système. Voilà. Moi, il y a 15 ans, je reprends la ferme de famille, une ferme d'élevage. Paradoxalement, on avait très peu de matière organique parce qu'on avait tiré, on était sur un élevage très intensif, donc on avait un gros élevage laitier. Et en fait, on était en lisier, on exportait énormément, on ramenait peu de choses, mais beaucoup sous forme de lisier. Et du coup, on était descendu. Ouais, on était à 1,5 de matière organique sur la ferme. Et là, on commence à rencontrer pas mal de dysfonctionnements avec le travail du sol, des problématiques de vraies problématiques d'érosion, fragilité des sols, des problématiques de fertilité, des problématiques de déséquilibre également. Et du coup, ça se manifestait très concrètement par des baisses de rendement, des niveaux de salissement qui explosaient. Et on avait de plus en plus de mal à tenir la ferme. Dès qu'on avait des gros orages, juste comme ça, c'était vraiment très compliqué à piloter. Voilà. Et puis après, en fait, moi, j'ai découvert la culture de régénération en partant à l'étranger. C'est quelque chose, c'est un modèle qui m'avait passionné. Quand on remet il y a 15 ans, en fait, il ne se passait pas grand-chose en France sur ce sujet-là. Il y avait peu de solutions, machines, peu de connaissances, peu d'agriculteurs qui partageaient. Donc, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus, il n'y avait pas YouTube, tout ça pour se former. Donc voilà, du coup, moi quand j'ai repris la ferme, il y avait mes parents sur la ferme. Donc c'est vrai qu'un cheminement familial, ce n'est pas forcément très simple parce qu'il faut arriver déjà à s'auto-convaincre, après à convaincre son environnement, à convaincre les personnes avec lesquelles on travaille également. Hein, je pense aux fournisseurs, je pense aux clients également, à convaincre les prestataires dont on fait prester la moisson. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à aligner pour faire que le système marche. Enfin. En tout cas, là, au bout d'une quinzaine d'années, je ne reviendrai pas en arrière. Donc là, c'est vraiment, nous, on est vraiment super satisfait de ce qu'on a construit. Je dis nous parce que maintenant, on travaille avec les salariés, donc comme on est regroupé et tout, donc c'est vraiment top. Le point le plus marquant, c'est le gain qu'on a fait en termes agronomiques, voilà, où on a amélioré nos matières organiques. Donc on a repris 1,1. Cette croissance de matière organique, elle a été exponentielle, c'est qu'elle était assez faible au démarrage. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus on accélère. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est un peu plus de 3 points, on a autour de 3,2 sur l'ensemble, avec des disparités, des terres qui vont de 2,5 à 4 points, pour faire simple. Voilà. Donc il y a ce gain d'un point de vue agronomique, il y a également la partie pH. Hein, où en fait, en réalisant de plus en plus de couverts et en travaillant moins les sols, on a réussi à rééquilibrer nos pH. Avec l'historique lisier, nous, on avait un vrai sujet autour des pH, de l'acidification de nos sols, en fait. Et du coup, on avait beaucoup de dysfonctionnements qui étaient liés à cela. Et là, le fait d'être rentré dans cette technique-là et d'avoir réalisé des apports, mais je pense qu'en fait,
50% du gain est lié aux apports, 50% est lié à nos pratiques agricoles, enfin, le fait des couverts et de restaurants du sol. Aujourd'hui, en fait, on est sur des pH qui sont vraiment très équilibrés, proches de la neutralité, et on a réussi à gommer la plupart des dysfonctionnements qu'on avait au niveau des parcelles. Mais cette problématique de pH nous a vraiment compliqué la donne pour la bascule de de notre ferme en semi-direct. Et ça, je pourrais réinsister après dessus. Donc cette partie agronomique-là, pour moi, est très importante parce qu'en fait, on arrive à capitaliser, à construire une ferme, enfin, et des fermes du coup qui sont de plus en plus pas plaisantes à suivre en termes de tour de plaine, en termes de santé des parcelles. Voilà, enfin, on voit des vrais écarts. Ensuite, d'un point de vue économique, aujourd'hui, on arrive à 250 euros de gains de marge nette. Voilà. Donc, à notre échelle, c'est assez conséquent parce que quand on multiplie par la surface, ça fait tout de suite des gros chiffres. La conséquence de ce gain de marge nette-là, en fait, il y a eu deux choses. Un, c'est j'ai pu rembaucher sur la ferme. Voilà. Et deux, après, on n'a plus d'emprunts qui sont liés au machinisme. Voilà. Donc, aujourd'hui, on autofinance tous nos projets machinisme. On a zéro emprunt lié au machinisme. Et ça, c'est vraiment. Ça nous laisse beaucoup de flexibilité. Et tous nos emprunts aujourd'hui sont concentrés uniquement sur une seule chose, sur de l'acquisition, de la reprise de foncier, voilà, ou à des développements d'activités autres que, enfin, du pari agricole. Voilà, c'est les deux choses. Ensuite, enfin, il y a deux autres axes. Pour moi, je ne voyais pas forcément au démarrage, mais on a eu des vraies choses. Sur la partie sociale, en fait, je pense notamment tout autour de notre environnement, collègues agriculteurs, familial, village, communauté de communes plus large. On a eu beaucoup d'interactions extrêmement positives qui ont fait grandir les personnes autour de nous et qui nous ont fait grandir par là même. Voilà. Après, d'un point de vue humain, c'est vrai qu'on a eu, pour l'activité Kiwi, j'étais amené à recruter énormément. J'ai jamais fait de démarche pour recruter. Toutes les personnes sont venues à moi. Enfin, donc c'était très agréable. Sur la ferme également. Du coup, maintenant j'ai un chef de culture. C'est vrai qu'il est venu à moi également. Donc il y a eu un vrai changement où le fait de changer ses pratiques, ça intrigue et du coup les gens viennent à vous. Et là où on a beaucoup d'agriculteurs voisins qui galèrent pour recruter, on arrive de notre côté à recruter aisément et à conserver les personnes que l'on recrute. Voilà. Donc ça c'est ça rend top. Et après, on a beaucoup de développement d'opportunités en fait. Donc ça, c'est, je m'explique là-dessus. Là aujourd'hui, on fait des fermes en prestation. Voilà. Donc là, on a deux fermes qu'on gère en prestation. Donc on a rentré dans notre modèle de semi-direct, de simplification de coûts, enfin de gain de marge nette. Là, on a encore eu deux autres fermes qui sont venues taper à notre porte qu'on a décidé de ne pas prendre. Mais voilà, on a de plus en plus d'opportunités parce que les gens nous voient travailler, sont intrigués, souhaitent rentrer dans ce modèle-là. Et économiquement, c'est pareil, on est performant en termes de prestations. Du coup, les gens viennent à nous. Voilà, ça fait aimant. Et après, sur la partie environnement, qui est très liée à l'agronomique également, hein, il y a la partie l'érosion qui disparaît, l'importance des sols. Voilà, surtout en ce moment-là où c'est très compliqué de semer, mais en fait, on s'aperçoit qu'on arrive à semer. À passer dans des conditions qui sont très compliquées, dans les parcelles où on ne passait pas avant, là on passe avec les couverts, tout ça, donc c'est top. On a réussi à baisser nos IFT, notamment sur toute la partie herbicides, raccourcisseurs, voilà, c'est des choses où on fait des gros gains. Donc là, on est à peu près à 16% de réduction de gains. Puis après, après, je vous apprends rien sur les consommations de carburant, mais consommation de carburant, c'est là où c'est plus spectaculaire parce qu'on divise par deux nos consommations. Voilà. Et pareil sur le renouvellement des machines, je pense les heures tracteurs fondent, on les a divisées par deux également, donc on emmène les tracteurs beaucoup plus loin, ce qui nous explique également pourquoi en fait on a des charges de mécanisation qui sont assez faibles, tout en ayant du matériel qui soit très performant, mais au final, large performant, mais avec des coûts du matériel souvent ancien qu'on rénove et qu'on met au goût du jour. Enfin, voilà. Et pareil, après le dernier point, c'est consommation d'azote. On a fait un vrai travail sur la réduction de l'azote. En fait, je vous explique après, mais les couverts végétaux nous ont permis d'optimiser en tout cas l'utilisation de l'azote et surtout de la réduire. Voilà.
Donc là, y a plusieurs cultures, je pense notamment enfin, au maïs qui est en tête, hein, sur lequel en fait, on arrive à enchaîner les cycles de couvert, à produire des grosses biomasses, et du coup, de ce fait, à réduire nos consommations d'azote, et surtout à basculer sur de l'azote au final organique, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cela. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous avez des questions. Voilà, attends, excusez-moi. Ce que j'ai fait derrière, là, c'est que je vous ai détaillé le gain de marge nette. D'accord? Alors, ce qu'il faut vous ayez conscience, quand tout à l'heure je disais qu'il y a 250 euros de gain de marge nette à aller chercher, bah, en fait, ce gain n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'il y a une vraie. Quand on change le modèle comme ça, et c'est un vrai changement de modèle qu'il ne faut pas sous-estimer, ça se fait dans le temps. Voilà. Parce que vous avez développé vos connaissances, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de pratiques qui changent. Donc en fait, il faut engranger toutes ces connaissances-là, les mettre en place au fur et à mesure, sans se dégrader. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de baisser son rendement, voilà, de diminuer son rendement. On doit réduire des charges en travaillant moins les sols, hein, en réduisant la mécanisation. Et en parallèle, on doit arriver à au moins au démarrage stabiliser son rendement pour, sur le long terme, l'augmenter. Voilà. Mais le point d'entrée, le démarrage est assez compliqué. Voilà, parce que, un, vous devez monter en connaissance. Vous avez des sols qui sont souvent moyennement fertiles, qui ne sont pas ouverts en termes de structure, sur lesquels vous êtes souvent en risque. Il y a beaucoup de dysfonctionnements au démarrage qui ne sont pas simples à appréhender. Et le démarrage, c'est assez complexe. Voilà, donc, il y a un vrai travail qui est très important à faire. Ou de votre côté, c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais vous devez intensifier cela. Vous devez construire votre synthèse. C'est-à-dire que vous allez voir des agriculteurs qui ont mis en place ces choses-là, qui sont performants, qui fonctionnent bien, qui vous expliquent ce qui marche chez eux, leur dysfonctionnement, pour comprendre bien le dysfonctionnement, qu'est-ce qui se passe. Et une fois que vous aurez rencontré 4-5 agriculteurs, vous allez commencer à construire votre synthèse dans votre esprit. Et vous êtes beaucoup plus agile quand vous êtes dans vos fermes, vous évoluez dans vos fermes, pour prendre des décisions et dire, voilà, est-ce que c'est une bonne décision que je prends ou est-ce que ce n'est pas une bonne décision? Et en tout cas, être éclairé parce que ces dysfonctionnements, vous les aurez rencontrés. Voilà. Le gain de marge nette, ensuite, en fait, je l'ai détaillé, j'ai pris les 220 euros là qu'on obtenait en 2019 et je les ai découpés. Voilà. Je ne sais pas si ça c'est clair pour vous. Là, si on fait la somme de toutes les briques que l'on voit là, donc si on somme les 130, les 110, les 50, les 30, puis voilà la partie en négatif là, on va retomber sur le 220. D'accord? C'est bien pour vous expliquer comment on décompose un gain aujourd'hui de 220 euros en gain de marge nette à hectare. Que se passe-t-il? D'où ça vient? Le premier point qui est le plus important est lié au travail du sol. Voilà. À partir du moment où on commence à rentrer sur une diminution du travail du sol, vous allez avoir automatiquement du gain de marge nette qui s'opère. Sur notre ferme, ce que l'on fait, c'est qu'à partir du moment où il y a la moisson qui est déroulée, toutes les opérations d'été, d'automne et de début de printemps, elles sont toutes en semi-direct. Les seules opérations aujourd'hui où on est amené à travailler les sols, c'est pour toutes les implantations de cultures de printemps, voilà, plutôt de fin de printemps. Donc notamment les cultures sur lesquelles on a besoin de réchauffement de sol. Moi, je pense au lin, voilà, je pense au tournesol, je pense au maïs. Voilà, toutes ces cultures-là, elles ont besoin d'un réchauffement. Elles sont assez dures. Il y en a qui arrivent, mais c'est dans les terres qui sont plutôt réchauffées. Mais nous, dans notre contexte pédoclimatique, on a des terres qui sont froides, sur lesquelles on doit réchauffer les sols. Et toutes ces cultures-là, on les fait en TCS. C'est-à-dire qu'on est amené à faire un ou deux couverts végétaux que l'on enchaîne. On travaille les sols et on sème. Voilà. Et on travaille les sols très superficiellement pour pas déstructurer les sols. Et on vient derrière semer, enfin avec nos semoirs de semi-direct ou autre, mais en tout cas, on vient semer sur des sols travaillés. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'il ne faut pas se faire aveugler par le semi-direct. Le semi-direct, il y a certains cas où c'est plus compliqué. Il ne faut pas être un ayatollah de cela. Il faut être très flexible dans son esprit.
On est avant tout des paysans et il y a des cas où on doit travailler des sols. Il y a des dysfonctionnements parfois qui arrivent, des années un peu plus complexes, où il faut être amené à travailler des sols. Voilà, et je le dis ouvertement. Le travail des sols est assez néfaste hein, d'un point de vue érosion, d'un point de vue fertilité, tout ça. On a des petits retours arrière. Mais s'il est bien exécuté, s'il est superficiel, superficiel, c'est 3-4 cm de sol, pas plus. Ce n'est pas du 15-20 cm, c'est vraiment très superficiel. On arrive à corriger les dysfonctionnements et à sécuriser son système, voilà. Sans avoir un retour arrière prononcé sur une perte de, une perte de rendement, quoi. Donc voilà. Ce qu'on a vu également, c'est en termes de déplafonnement de rendement, ça on l'a vu apparaître progressivement. Et là maintenant, c'est vraiment flagrant. Là, nous, on se compare en fait à la moyenne de la coopérative en local. Nos terres, à l'origine, étaient moins fertiles que la moyenne de la coopérative, qui est plutôt sur un plateau, enfin sur deux plateaux au final. Et là, au fur et à mesure du temps, par changement de nos pratiques, on a vu les rendements de culture qui s'amélioraient graduellement et on s'est mis à déplafonner. Voilà. Donc aujourd'hui, très clairement, on a des cultures comme le maïs. Voilà, aujourd'hui, le maïs, tous les ans, on fait entre plus 15 et plus 20 quintaux secs par rapport à la moyenne de la coopérative. Bon, ça, c'est vraiment spectaculaire. Plus les années sont complexes, plus l'écart est gros. Voilà. Plus l'écart est marqué. Pareil sur les légumineuses. Les légumineuses, souvent, où il y a beaucoup de fermes, ils mettent les légumineuses en retrait. Nous, on les a toujours mis en avant. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à vraiment à déplafonner les rendements sur les légumineuses. Et en fait, tout est lié au gain de fertilité, voilà, qui remet en exergue des cultures qui étaient moins rentables avant et du coup, ce qui deviennent rentables. Et surtout, à la structure des sols. Voilà, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des années très compliquées, très séchantes. Je prends l'exemple du maïs. Le maïs sont toujours verts. Ils ne craquent pas, en fait. Voilà. Même si on a très peu de pluviométrie, l'année passée, on a fait des maïs avec 70 mm d'eau sur le cycle, donc ce qui est vraiment extrêmement faible. Et en fait, on a eu des maïs qui étaient toujours verts jusqu'au bout. Voilà. Et puis, on a réussi à faire des très bons rendements avec très, très peu d'eau. Mais en fait, en termes de structure de sol, bah, c'est vrai que quand on fait des profils, c'est vraiment spectaculaire. C'est qu'aujourd'hui, on a des structures qui sont ouvertes jusqu'à 1,30 m, 1,40 m. Et bah, l'eau arrive à stocker les minéraux, les éléments. Et en fait, on arrive à faire des choses avec très, très peu d'eau. Par contre, il nous faut de l'eau au moins en démarrage pour faire germer et pour faire croître la partie racinaire. Après, une fois que les cultures sont en place, c'est parti, quoi. Mais il nous faut cette eau-là. Voilà. Donc, en tout cas, on est quand même beaucoup plus résilient que pour l'instant le commun des mortels. Et après, bon, y a d'autres choses. On a été amené à faire un peu de double culture, mais on a fait un retour arrière là-dessus. Je peux vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, ce gain-là de 50 euros, on préfère le remettre sur les plafonds de rendement que sur la gestion de double culture. Et puis après, il y a des opérations comme. On a fait un gain d'IFT sur le désherbage parce qu'on a des sols qui sont de plus en plus propres. Donc ça nous aide beaucoup. C'est pareil, on n'a plus d'opération de broyage, de paille, des choses comme cela. Aujourd'hui, on sait tout en direct. Donc voilà. A contrario, en fait, on a des postes d'investissement qui sont essentiellement liés soit à de la fertilisation, au semis, des semis ou des couverts. OK? Est-ce qu'individuellement, vous avez des questions qui s'ouvrent à vous sur ces sujets-là? Ou est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas. Hein, en tout cas, on n'est pas là, enfin, je ne suis pas là pour faire un monologue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser des questions qui se montrent à vous. Oui, Eric, Je m'interroge. Oui. j'aurais une question concernant le zéro sur les cultures associées. C'est parce que vous travaillez en culture associée ou en association de graminées légumineuses que vous êtes passé à zéro ou c'est pour une autre raison? Non, en fait, bah ce graphique-là, on l'a maintenu pendant plusieurs années. Donc, pour t'expliquer, culture associée, c'est un peu comme les doubles cultures. On a fait beaucoup d'expérimentations là-dessus. Voilà. En fait, au fur et à mesure, ce qu'on s'est aperçu, en tout cas dans notre système, double culture, enfin, je vais répondre à ta question sur la culture associée, mais double culture, typiquement, on faisait beaucoup de sarrasin en dérobé. D'accord? Ce qui marchait très bien d'un point de vue agronomique. Par contre, en fait, ce qu'on s'est aperçu sur les doubles cultures, c'est que quand on faisait du sarrasin et qu'on ne produisait pas des couverts végétaux, qu'on ne produisait pas les 5-6 tonnes de matière sèche, on avait un retour arrière sur le rendement de l'année suivante, en année N plus 1, avec des blés qui décrochaient
où au lieu d'être à 85-90 quintaux en blé, on se retrouvait à 65-70 parce qu'on n'avait pas ce volant d'autofertilité qui nous permettait d'aller chercher du rendement. Culture associée, il y a des choses qui marchent très bien, mais après, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que en termes de. Bah, ça marche bien, mais il faut être très organisé. C'est-à-dire qu'il faut des enfin, il faut mettre en place des systèmes de tri sur l'exploitation. Moisson, la moisson, elle peut être un peu plus complexe, ainsi de suite. Et en fait, nous, on a eu un autre défi, c'est qu'on a eu on a eu beaucoup de surface. En fait, on s'est agrandi très rapidement. En fait, on a eu beaucoup de surface qui est arrivée à nous, soit en prestation, soit en achat. Et du coup, on a fait le choix de dire, on fait un système simple qui fonctionne, sur lequel on déplafonne les rendements et sur lequel on fait fonctionner le volant d'autofertilité et on se concentre là-dessus. Voilà. Pourtant, culture associée, là, il y a des fermes que je suis qui font par exemple du relais cropping, des choses comme ça qui sont très très intéressantes. Et là, ils sont très performants. Mais par contre, c'est quand même beaucoup d'évolution, machinisme et d'achat d'organes de tri, tout cela pour être performant et pour pouvoir trier ça à la récolte quand tu rentres toute ta marchandise. Ça répond à tes questions, Eric? Parfait, merci pour Okay. la réponse. Lucas, tu avais une question là-dessus? Oui, tout à fait. Sur le poste ce mois, je voulais avoir un peu d'historique, savoir s'il y a eu des modifications, s'il y avait déjà un semoir à la base, s'il y a eu des changements de semoir, parce que avec certains agriculteurs qu'on a vus, ils ont changé plusieurs fois de semoir. Donc je pense que c'est un poste qui peut être rapidement cher. Et je voulais avoir ton retour un peu là-dessus. Alors, ce mois, pour vous faire un petit peu l'historique, donc il y a 15 ans, on était en TCS, donc on était regroupé à plusieurs fermes, d'autres fermes en fait, on fonctionnait avec d'autres fermes historiquement, et du coup, on a changé de partenaire au fur et à mesure du temps. Donc, on avait un Pronto 6DC, voilà, qui semait beaucoup d'hectares. Il y avait un de nos collègues qui a investi dans un Semiato, voilà, en 4,50 m. Donc, on a commencé avec le Semiato. Très, très bon semoir à disque, très rustique, très costaud, assez rudimentaire. En termes de réglage, ça, c'est vraiment. Voilà. Mais en tout cas, il nous a permis de bien commencer. Après, du coup, on a trouvé un nouveau partenaire avec lequel on a acheté un Sky EasyDrill qu'on a utilisé pendant 3 ans, donc semoir à disque. Ça nous a permis de commencer. On n'a pas été pleinement satisfait de la machine. Et en fait, on s'est mis à acheter un sprinter la dernière année où on avait le Sky. Et dans la foulée du sprinter, on a renouvelé le Sky avec un Avatar. Donc les deux étaient en 6 mètres. Donc on avait un semoir à dents, un semoir à disque pendant 3 campagnes à nouveau. Donc là, c'est super parce qu'on fait face à toutes les situations. Par contre, bah là, on mutualisait ces semoirs-là. Donc, c'était une autre organisation, un peu qui fonctionnait bien, mais quand même un peu complexe parce qu'il fallait vraiment coordonner tous les chantiers et on a tapé vite mal à la tête. Mais en tout cas, c'était super parce que là, du coup, on faisait face à tous les cas de figure. Hein. Et là, en fait, on a fait évoluer, enfin, on a vu vraiment. Une grosse différence. Le semoir à dents nous a vraiment bluffé par la qualité d'implantation. Nous, on fait beaucoup dans le système, on fait beaucoup de paille sur paille, des blés sur blés, escourgeons sur blés pendant plusieurs années pour nettoyer notre stock d'icotes. Et après, on fait pendant plusieurs années des cultures pour nettoyer notre stock de graines, enfin d'icotes et graminées, quoi. Où là, on peut enchaîner des colza, des maïs, des févroles, des pois, enfin voilà, pour se sortir de notre stock de semences graminées. Et là, le semoir à dents, dans ces techniques-là, il est vraiment redoutable. Par contre, ce qui est assez compliqué, c'est que quand vous êtes dans des gros couverts végétaux, ben là, vous avez beaucoup plus de difficultés à passer. Voilà. Donc, pour faire simple, semoir à disque, top. Mais la contrainte technique, c'est que le disque peut vous emmener de la paille dans le fond du sillon. Et si les pailles se dégradent mal, bah, c'est assez compliqué de semer dans ces conditions-là. Le semoir à dents l'été, il est redoutable parce qu'il vous sort des pailles, il vous fait des implantations qui sont hors normes. Voilà, c'est toujours très très beau, ça sécurise énormément le semis.
Sur les semoirs à disque, vous pouvez vous louper sur un semis. Ça peut arriver. Si vous ne faites pas attention à plusieurs, vous maîtrisez mal les choses, vous pouvez vous louper. Un semoir à danse, franchement, pour se louper, il faut vraiment le faire. C'est très sécurisant. C'est très rare de louper un semis. Voilà, donc c'est vraiment super en machine. Très simple. Très peu de coûts de mécanisation. Hein. Un semoir à disque, bon, on est autour de 8 € de l'hectare. Bon, ça dépend des semoirs, mais c'est souvent ça. Un semoir à danse, on est autour de 3 € d'entretien l'hectare. Et encore, là, en ce moment, cette année, on est autour de 2 € de l'hectare. Donc, c'est du coup, très peu d'entretien, très agréable, voilà, en termes de prise en main. Après, le vrai sujet, c'est qu'il faut arriver à semer dans des gros couverts ou des gros volumes de paille, des choses comme cela, avec des semoirs à dents. Et c'est pour ça que les semoirs à dents, bah, on a fait un gros travail pour faire évoluer nos semoirs à dents, enfin, notamment le semoir qu'on a sur la ferme, là, en greffant des disques trancheurs, tout ça, pour se sortir des couverts et arriver à semer dans toutes les conditions. Et après, on a fait évoluer beaucoup nos pratiques culturales également pour typiquement choisir des maïs plus petits et tout aussi productifs pour avoir un peu moins de biomasse pour passer. Voilà. Les couverts, c'est pareil, on est très sélectif sur ce que l'on met dans les couverts pour arriver à passer avec les semoirs. Et en parallèle de cela, on fait un vrai travail sur les machines pour les rendre beaucoup plus simples, ergonomiques et faire à ce qu'on passe dans toutes les configurations, quoi. Ça répond du coup à ta question? Oui, très bien. Merci. Ok. Pas d'autres questions? Ok. Bon, bah écoutez, on avance. Voilà, là, c'est un point sur le bilan carbone, mais là, on mesure également sur nos fermes l'impact en termes de bilan carbone. Voilà, après, c'est des projections, mais aujourd'hui, en fait, nous, on est à autour de 220 tonnes de CO2 séquestré. Donc, en tout cas, on est positif en bilan carbone, là où la plupart des fermes sont négatives. Voilà. En fait, on a fait, pour travailler cela, en fait, c'est très intéressant parce que le bilan carbone, au démarrage, moi, je m'y intéressais peu. Et en fait, on a commencé à mesurer et à piloter cela. Et en fait, à un moment, on s'est aperçu que c'était extrêmement intéressant parce que on n'était pas forcément conscient de tous les enjeux et des pratiques qu'on devait changer pour améliorer cela. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les choses que l'on met en place actuellement nous aident également à grandir d'un point de vue matière organique sur la ferme. Les deux sont étroitement liés. Je prends un exemple. Bah nous, on fertilise énormément au semis. Voilà. On fonctionnait jusqu'à 2 ans beaucoup en fertilisation minérale. Voilà, soit en 1846, soit en solution liquide. En tout cas, on apporte beaucoup d'azote au semis parce que c'est le facteur limitant dans ces systèmes-là où il y a beaucoup de céréales. Et en fait, on s'est aperçu que la partie fertilisation a impacté énormément notre bilan carbone au niveau de la ferme. Et du coup, graduellement, on a basculé de solution fertilisation comme ça, solide, en fertilisation liquide organique. Et aujourd'hui, on a 80% de nos semis que l'on réalise, soit en enrobant les semences, soit en injectant de la fertilisation liquide organique que l'on produit nous-mêmes sur la ferme. Voilà. Et on s'est aperçu qu'en fait, on est plus performant agronomiquement. On travaille avec des matières souvent vivantes, donc c'est beaucoup plus agréable en termes de conditions, quoi. On manipule pas du minéral. Voilà. Et puis, on produit sur la ferme, quoi. Donc on importe plus. On est beaucoup moins dépendant de l'extérieur également et de la volatilité des cours. Voilà. Donc ça, c'est très concret. Et je pense que si on n'avait pas mesuré la partie carbone sur la ferme, on ne serait peut-être pas rentré aussi rapidement sur cela. Voilà. C'est juste pour vous dire. Donc pour moi, c'est très intéressant. Peut-être pas au démarrage, mais à 3-4 ans, une fois que vous avez commencé à mettre en place le système, de rentrer dans ces programmes-là parce qu'ils vous ouvrent l'esprit et vous permettent de comprendre, quoi. Et d'avoir des données sur vos fermes. Bon, voilà, ça, je passe rapidement. Alors, pratique, enfin, nos pratiques. En tout cas, le système donc, qu'on a construit sur la ferme, il repose sur deux choses. Un, c'est de la production de couverts intenses, donc des grosses biomasses. Et deux, sur le fait que l'on vienne peu travailler les sols et que l'on vienne semer sous couvert. Voilà. Donc, je vous ai mis les deux photos, mais c'est assez parlant. À gauche, là, vous voyez, bah, un beau couvert où on est à 5 tonnes de matière sèche.
de l'autre côté, semis sous couvert, où on sème comme ça directement sous couvert, beaucoup, beaucoup à l'automne, comme cela, peu au printemps, parce qu'on travaille le sol pour les cultures qu'on a vues précédemment. Voilà, et les cultures explosent, sortent des mulches, comme cela. Et en fait, en intensifiant ces cycles de biomasse-là, ça nous permet d'ouvrir la structure de sol, nourrir la vie biologique, limiter l'érosion, augmenter la fertilité. Enfin, tous les services qui sont rendus sont juste phénoménales. Et ce qui est très agréable également, on l'a encore vu cette année-là, dès qu'on a des gros couverts, même s'il pleut énormément, on sème, on ne s'arrête pas de semer. Voilà. Et ça, c'est vraiment formidable parce que, en fait, on arrive à se sortir de situations qui sont très complexes d'un point de vue climatique, où on arrive à semer, à passer, et puis les cultures en place qui sortent sont très très belles. Voilà. Donc après, on est un peu comme tout le monde, c'est qu'à un moment, on a une certaine limite. C'est-à-dire que 150-200 mm d'eau qui tombe en 10-15 jours, ça ne nous fait pas peur. Voilà, parce qu'on sait qu'on va passer avec les machines et ça va le faire. Quand on commence à prendre 250-300 en moins de 15 jours, 3 semaines, là, c'est plus la même chose parce qu'à un moment, les sols sont gorgés d'eau et on a un peu plus de difficultés à passer, en tout cas. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis quelques photos de semis. Donc, là, c'est des semis à la dent. Voilà, donc, c'est net, même si on est dans des mulches sur lesquelles on a fait du glyphos avant, donc on voit les mulches qui disparaissent, ou des pailles qui sont encore résiduelles, qu'on voit encore en surface. Là, c'est deux photos où c'est des cultures d'automne qui sont implantées dans des couverts ou des mulches de paille. Donc, en haut, c'est du blé sur blé. En dessous, c'est un blé, enfin, c'est des pois derrière un gros couvert. Et on voit le couvert qui est en train de disparaître progressivement. Ouais, ce qui est important, c'est quand on sème comme ça en direct, le sillon, et notamment à la dent, on retrouve une physionomie de sillon que l'on a typiquement avec les semoirs monograines, typiquement les semoirs à maïs ou les semoirs à betterave, où ça fait un léger V, comme cela, et les graines sont plombées dans le fond du sillon, quoi. Et c'est vrai que le sillon bien dégagé avec de la terre fine comme cela en semis direct, c'est vraiment redoutable et ça fait des super levées, quoi. Donc ça, en tout cas, je ne vais pas revenir sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec la question qui a été posée, mais le choix du semoir est très important au démarrage de votre système. Vous pouvez partir sur un semoir à dents ou sur un semoir à disque en fonction des contraintes de votre système, mais en tout cas, vous devez vous poser cette question-là. Quel est le semoir est le plus approprié à mon système? Et en termes de coût d'investissement et de coût d'entretien, à quoi cela m'engage-t-il? Ensuite, nous, un point de mesure que l'on a eu pendant plusieurs années, on a quantifié les populations de vers de terre que l'on avait. Voilà. Donc là, c'est. En fait, on a choisi cette parcelle de référence. Tous les ans, au mois d'avril, on fait des prélèvements, enfin des bêchers. Hein. C'est-à-dire qu'on fait, on a sur chaque parcelle, on a 7 parcelles, on fait 5 points de prélèvement, on prélève sur chaque point de prélèvement 3 bêchers, et en fait, on compte le nombre de vers de terre que l'on a. Donc ça, on a fait ça pendant 5 années consécutives. Là, maintenant, on a arrêté cet exercice-là parce qu'en fait, on plafonne, on est quasiment toujours aux mêmes quantités. Pour nous, c'est plus justifié de faire cela. Mais en fait, au fur et à mesure de notre transition, on a suivi cet indicateur-là. Pour vous expliquer, en fait, quand vous faites une bêchée de terre qui correspond à 4 kg de terre, quand vous commencez, vous êtes souvent autour de 5 vers de terre, entre 3 et 5 vers de terre, pour faire plus simple. Et vous savez, après, il y a 3 familles de vers de terre, épigée, anésique, enfin voilà, endogée. Et nous, on les comptabilisait et souvent, on trouve des petits vers de terre, très peu de gros vers de terre. En fait, au fur et à mesure du temps, dès qu'on s'est mis à travailler moins les sols et à intensifier les biomasses, c'est-à-dire à monter à plus de 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, on a ce nombre de vers de terre-là qui a cru. Voilà. Aujourd'hui, on est entre 13 et 14 vers de terre pour 4 kg de terre. Donc là, ça commence à être assez impressionnant. Et en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que nos pratiques sur certaines parcelles pouvaient impacter les populations de vers de terre. C'est-à-dire que ce qu'on a vu très concrètement, c'est pas compliqué, c'est à partir du moment où on se mettait à travailler nos sols le printemps pour implanter nos maïs, si on travaillait trop profondément, on venait impacter la quantité de vers de terre. Si on ne laissait pas suffisamment de résidus en surface des sols,
soit parce qu'on n'avait pas fait un beau couvert, soit parce qu'on avait fait un sarrasin en dérobé. Voilà. Automatiquement, on avait une population qui était divisée par deux. C'est-à-dire qu'une parcelle, vous voyez, là, d'ailleurs. Ouais. Je vais rester sur ce graphique-là, excusez-moi. Une parcelle sur laquelle on a eu ces pratiques-là, automatiquement, on voit une population divisée par deux. Voilà. Donc ça, c'était... En tout cas, nous, ça nous a... Moi, ça m'a profondément marqué. Et on était amené à revoir pas mal de choses, notamment ce que je parlais tout à l'heure du sarrasin en dérobé que l'on faisait. On s'est dit à un moment, moi, quand je voyais une population prioritaire qui était diminuée par deux, où on mettait derrière 2 ans à rattraper cet indicateur-là, et derrière, on voyait qu'agronomiquement, ces parcelles-là, ce n'était pas la même chose. En fait, on s'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai compris assez rapidement que le volant d'autofertilité et le fait de produire de la biomasse intense était fondamental. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on se concentre énormément sur le fait de produire entre 4 et 7 tonnes de matière sèche à l'hectare tous les ans, sur toutes les terres, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, si l'été, on n'a pas les conditions pour semer des couverts, on fait des couverts en décalé, en septembre, on fait des couverts relais, on intensifie, on vient semer des couverts dans les cultures en anticipé. On fait plein de choses comme ça pour arriver à nos 5 tonnes de matière sèche. Et à partir de 5 tonnes de matière sèche, en fait, là, nous, on arrive à tourner sans fumée lourde de fond. Voilà. Donc, on tourne vraiment qu'au couvert. Et ça, c'est assez formidable. En tout cas, cette partie suivie des vers de terre, ce n'est pas quelque chose qui coûte de l'argent, parce que c'est juste de l'énergie qu'on doit mettre pour suivre cela. C'est très intéressant de voir. On est au contact du sol, de la vie, de ce qui se passe. Et ça permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Là, vous voyez, c'est ce graphique-là. Donc là, c'est l'évolution, pareil. En fait, c'est les mêmes données, sauf que là, on a trois courbes qui représentent les différentes familles. Donc, on a les épigées, les endogées, les anésiques. Épigées, c'est les vers de terre de surface. Les endogées, en orange, ce sont les vers de terre qui sont sur les étapes, enfin, les niveaux intermédiaires. Et après, les anésiques, ce sont les gros vers de terre. En fait, ce graphique-là, j'ai un peu de mal à comprendre au démarrage, mais en fait, il est assez limpide dans cela. Ce qui se passe, c'est que les épigées, les vers de terre de surface, eux, se développent très rapidement. Donc, au démarrage, quand on compte, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'épigées, très peu d'endogées et très, très peu d'anésiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence à laisser beaucoup de matière en surface, les vers de terre, en tout cas les épigées, ont des cycles de reproduction de 3 à 4 fois par an. C'est-à-dire qu'ils ont 3 à 4 cycles de reproduction par an. Ils se développent très rapidement et ils viennent dégrader la matière en surface. Les endogées, eux, arrivent un peu après. On les voit souvent en deux, troisième année. Là, typiquement, on voit en 2015 les endogées qui commencent à augmenter. Parce qu'eux, ils sont sur le niveau intermédiaire. Ils ont un cycle de reproduction un petit peu plus lent. Et on a souvent une à deux générations par an. Hein. Et après, ceux qui nous intéressent le plus, ce sont les anésiques, c'est eux qui vont faire tout le travail de structure. Eux, ils sont très, très lents. C'est-à-dire qu'ils ont un cycle de reproduction par an. Voilà, donc, ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps. Et par contre, après, eux, quand ils commencent à être installés, ils vous font un travail de structuration qui est juste colossal. C'est-à-dire qu'ils vous créent des galeries, voilà, en profondeur. Donc, ils viennent de la surface jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. Ils vous ouvrent le sol. Ces galeries de vers de terre-là, les couverts, les cultures reprennent ces galeries-là pour s'implanter. Et en fait, il y a un vrai travail conjoint entre vie biologique et couverts et cultures qui ouvre l'horizon du sol. Et une fois qu'on a ouvert cette structure-là, c'est quand même formidable parce que du coup, en fait, on arrive à avoir des niveaux d'implantation des cultures qui est hors norme, avec des niveaux racinaires qu'on trouve pour les blés. Aujourd'hui, nous, on retrouve des blés à 1,40 m, 1,50 m, on trouve encore des racines de blé. Les maïs, on les retrouve jusqu'à 1,60 m, 1,70 m. Donc, autant dire, même s'il y a une canicule, les cultures sont bien en place et on arrive à faire des choses très très belles, même avec très très peu d'eau. Voilà. Et après, ce qu'on aperçoit, c'est qu'en quatrième année, là, typiquement en 2016, on a commencé à voir une population, en fait un équilibre quasiment parfait qui s'opérait entre les épigées, les endogées, les anésiques sur certaines parcelles. Et là, en fait, c'est top parce que du coup, on a les différentes strates du sol
qui sont parfaitement exploités. Et après, tout le travail, en fait, c'est de maintenir ce niveau de vers de terre-là, en profondeur, pour maintenir, en fait, une parfaite structure des sols. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'ai une petite question, Julien, pour Oui. toi. C'est comment tu expliquerais la diminution de la population des pygées? Est-ce que c'est parce que les endogés, parce qu'ils n'ont pas exactement le même rôle non plus dans la dégradation de la matière organique? Donc, est-ce que tu sais pourquoi tu observes une diminution des pygées ou pas? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les populations d'endogés et d'anéciques augmentent, c'est mécanique. Même si vous arrivez avec la même ration à 5-6 tonnes de matière sèche que vous laissez au sol, les endogés et les anéciques, eux, bah, ils vont venir en avaler une bonne partie. D'accord? Et du coup, ils vont laisser moins d'alimentation pour les épigées. Et du coup, les épigées, la population diminue mécaniquement. D'accord? Et ça, on l'observe sur toutes les populations. Si par contre, ce qu'on a vu également, c'est quand on crée un trou de biomasse, c'est-à-dire qu'on ne produisait pas de couvert. L'année passée, c'était une année très intéressante parce qu'on a eu un climat, nous, on n'a pas eu d'eau sur août, septembre. On a repris de l'eau au 20 septembre, donc on a eu des couverts. En fait, on est monté à 2 tonnes 8 de matière sèche, là où on avait 5 tonnes habituellement. Là, on a vu les épigées baisser drastiquement au printemps parce que les endogènes, ils avaient ramassé toute la matière. Et là, j'ai raconté cet automne et en fait, on s'est aperçu que les endogènes, bah là, c'est pareil, eux avaient diminué, mais en décalé, en fait. Parce qu'il y avait un manque de biomasse qu'on avait laissé en surface. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre dans cela, c'est que quand on rentre dans cette technique-là, il faut vraiment faire très attention à la vie biologique, très attention aux structures de sol, intervenir en étant le plus délicat possible, vraiment avec des pattes de velours pour ne pas abîmer les structures, pour pouvoir toujours arriver à semer sous couvert. Le semis sous couvert est vraiment capital parce qu'en fait, le fait de laisser la matière en surface, bah, ça permet de couvrir les sols et de nourrir cette biologie-là. Et en fait, la biologie, elle vous rend le service. Là, nous, on est vraiment bluffé, c'est sur la capacité bah, des vers de terre et toute la vie qu'il y a autour à nous dégager des pailles. Voilà. Aujourd'hui, quand on fait cette année, on a eu des gros volumes de paille dans le nord, on montait à 6-8 tonnes de paille à l'hectare, ce qui était vraiment enfin, des très gros volumes de paille. Là, quand on arrivait au 7-8 septembre, toutes les pailles avaient été digérées, absorbées, voilà, sans avoir travaillé les sols. Ça, c'est spectaculaire. Quand vous voyez les volumes dans lesquels on sème en été, et vous rentrez dans la même parcelle où toutes les pailles sont nettoyées, on est quasiment sur un sol nu, on dit waouh, là, ça va très vite. Les pailles de maïs, c'est pareil. Là, aujourd'hui, on approche du début décembre. Vous rentrez dans les parcelles, on a semé en direct dans les maïs grains. Franchement, il ne reste plus grand-chose. Alors qu'on était sur des très gros maïs, en fait, ça vous sort les volumes de paille. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment spectaculaire. Voilà. Bon, allez, on va avancer. Après, pour vous expliquer, construire son système de culture est très important. Je m'explique. En fait, à un moment, souvent, aujourd'hui, les fermes, on a vraiment des vraies problématiques de salissement quand on démarre. Surtout avec du régras, du vulpin, on peut avoir des problématiques de chardon, de liseron, voilà, qui sont liées à nos pratiques. Aujourd'hui, en fait, on a des exploitations où on crée des mécaniques pour déséquilibrer nos sols. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un sol qui est érodé, où on apporte beaucoup d'azote minéral, avec des gros abats d'eau, comme on peut avoir en ce moment, qui vont abîmer les structures. On travaille le sol de façon intensément. Là, on crée toutes les conditions pour que le régras, le vulpin explose. Voilà. Et du coup, après, bah, le fait de faire. Bah, c'est vrai que tous les systèmes céréaliers sont très poussés. Enfin, je pense au blé, aux orges, tout cela. On fait de plus en plus que des cultures d'hiver qui passent bien avec le réchauffement climatique, qui sont très durs à désherber. Voilà, on se met rapidement en fait en difficulté. Donc là, en fait, nous, on a travaillé beaucoup nos rotations.
où on a basculé sur beaucoup de mécaniques, on est dans la majorité des cas souvent en 4-2. Je m'explique, c'est qu'on part souvent pendant 2 premières années, on va nettoyer nos stocks de graminées en faisant des enchaînements de pois colza, de pois févrole, de, enfin, voilà, ou de févrole maïs, voilà, des enchaînements comme cela pour vraiment, via les matières actives, nettoyer les régras sur 2 à 3 années consécutives. Et après, une fois qu'on estime que notre stock de régras vulpin, en tout cas de graminées, est bas, on se met à faire des blés sur blés ou des blés, des escourgeons, en tout cas des pailles sur pailles, pendant 4 à 5 années consécutives en semi-direct sous couvert. Ça, c'est assez formidable parce qu'en fait, le blé sur blé sous couvert est très performant à la fois en termes de temps, en termes écologiques et en termes économiques également. On arrive à faire des super rendements comme cela. C'est simple à mener, on met beaucoup d'énergie. Le blé se vend très bien. Voilà, ce n'est pas des cultures qui sont compliquées à vendre. Ça roule bien. Et jusqu'à temps qu'on soit à un moment, on voit souvent au bout de la 2e, 3e année, bah, il faut qu'on bascule sur 2 désherbages. Ça commence à devenir sale. Et là, toc, on arrête et on re-rentre sur bah, des cultures pour nettoyer dans 2, 3 années consécutives, jusqu'à temps qu'on soit propre. Et après, on bascule sur des céréales comme cela. Ça, ces enchaînements qu'on appelle souvent du 2-2, du 3-2 ou du 4-2, c'est très très important. Donc là, c'est une autre mécanique. Le choix du semoir est très lié également aux mécaniques que vous mettez en place. Voilà. Et en tout cas, ça vous permet de traiter, je dirais, 40% de vos pratiques de salissement comme cela, juste en revoyant vos enchaînements. Voilà. Et quand vous revoyez vos enchaînements de culture comme cela, ce qui est étroitement lié également, c'est quel enchaînement de couverts je fais derrière. Donc tout est lié. Mais en tout cas, ce cheminement-là, il est très important à voir quand vous rentrez dans cette technique-là. Vous voyez, après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne les semoirs. Donc, bon, est-ce que le semoir à disque ou le semoir à dents est plus favorable dans telle ou telle configuration? Donc déjà, ça nous donne une idée. Hein. Et après, ce qu'on fait beaucoup là avec les agriculteurs, ou en tout cas les agriculteurs qui nous sollicitent sur ces sujets-là. Là, je vous ai mis un exemple. C'est qu'on prend un enchaînement de 6 années. Là, typiquement, on est sur une ferme où ils nous disent, nous, quoi qu'il se passe, une année sur deux, on va faire du blé sur blé. Donc, vous voyez, on voit en année 2, 4, 6, on voit des enchaînements de, enfin, des cultures de blé qui sont pérées. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que ce que l'on fait là, c'est que sur 6 années consécutives, on met typiquement les enchaînements de culture. On renseigne également les enchaînements de couverts végétaux, d'accord? On renseigne la fertilisation au semis que l'on met. On renseigne est-ce qu'on met du travail du sol ou pas, ou est-ce qu'on réalise tout en direct. Bref, on renseigne toutes les opérations. Voilà. Et ça, on le fait conjointement avec les agriculteurs, et c'est vraiment la feuille de route qui est très synthétique, mais qui est très parlante, parce que du coup, ça permet automatiquement de se poser les bonnes questions. Et du coup, de toujours revenir après qu'on les accompagne, on les a au téléphone ou en visio, ou on fait des tours de plaine, en étant très précis, en disant, voilà, est-ce que cette opération, tu l'as bien fait? Oui. Est-ce que tu as bien respecté la dose? Pourquoi t'as, enfin, si tu ne l'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en tout cas, d'avoir un plan de bataille. Aujourd'hui, en fait, en agriculture conventionnelle, et c'est vraiment la force de l'agriculture conventionnelle, c'est qu'en fait, ils ont créé une feuille de route. Aujourd'hui, le technicien, quand il vient vous voir, il échange avec vous. Mais la feuille de route est créée. Toute la partie phyto, et c'est clair, voilà, vous déroulez votre programme. Voilà. Là, c'est la même chose pour le semis direct et pour cette technique-là en agriculture de régénération. On a un plan de bataille. Le plan de bataille, c'est quasiment toujours le même. Et on l'applique, on le réplique sur plusieurs années. Voilà. Après, pour autant, je pense qu'au démarrage, il faut que ce soit cadré. Voilà. Il faut que vous soyez dans un cadre pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et après, parce que enfin, en tout cas, je souhaite vous exprimer, c'est que sur la ferme, aujourd'hui, on est très, très souple. C'est-à-dire qu'on est, là, typiquement, cette année, on a semé 40 hectares de plus de févrole qu'on sème habituellement. Et parce qu'on a toujours du stock de févrole en stock. À un moment, on a dit, OK, on n'arrive plus à semer des blés, on n'a plus les conditions pour semer des blés, top, on arrête, on bascule en févrole. On sait que les févroles, quand on a des conditions climatiques comme ça, qui sont avec beaucoup d'eau, même si les semis sont assez abîmés, c'est compliqué, on ne passe pas bien avec les machines, les févroles, ça passe. Voilà, on peut tasser les sols et tout.
On aura des super levées, ça marche. Voilà. Donc, du coup, on a basculé sur des semis de févrole. Il y a plein de choses comme ça. En fait, on est très souple dans notre façon de fonctionner, sur les mélanges de couverts, sur la façon de gérer les précédents, sur le niveau de fertilisation, tout cela. En fait, on se crée beaucoup de zones de flexibilité à l'intérieur de ce système-là. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que notre rassolement n'est jamais figé. Voilà, n'est jamais figé. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de salissement, on est capable sur une parcelle de revoir totalement l'assolement parce qu'on n'est pas, on n'est pas confiant avec la culture que l'on va mettre en place derrière. Parce qu'il y a un niveau de salissement qui se. Parce que le niveau de fertilité n'est pas là, parce que le couvert n'a pas été, n'est pas l'attendu de ce qu'on souhaitait. Et du coup, on souhaite rejeter un couvert avant de faire une culture de printemps. Voilà, en tout cas, on est très souple. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a mis la fertilité de nos sols au cœur du système. C'est-à-dire qu'on prend toujours nos décisions sur le long terme. Et là, enfin Pascal, du coup, qui suit les fermes, on échange beaucoup ensemble. En fait, c'est vraiment dans les prises de décision, c'est vraiment une balance entre le court terme pour assurer le rendement à l'année et le long terme où je souhaite maintenir mon volant d'autofertilité, voilà, et pas le casser. Et du coup, c'est toujours une balance entre les deux. Et quand on a un arbitrage à faire, on fait toujours le choix de l'autofertilité plutôt que le rendement. C'est très paradoxal, mais en fait, on s'aperçoit que quand on fait ce choix-là, bah, le rendement, on le retrouvera peut-être pas sur l'année N plus 1, mais on va le retrouver sur l'année N plus 2, N plus 3, parce que, on aura fait ce bon choix-là et on aura trouvé un bon équilibre en fait, entre le rendement que l'on opère et le maintien de la vie biologique au niveau des sols. OK? En tout cas, je vous engage, quand on va vous renvoyer la presse derrière, d'aller voir cette diapositive-là, parce qu'elle va vous éclairer, quand vous allez lire et comprendre, elle va vous éclairer sur beaucoup de choses. OK? Est-ce que vous avez des questions? Enfin, est-ce que c'est clair et limpide pour vous, ces enchaînements-là, enfin, qu'on appelle en 4-2, en 2-2? Est-ce que ça, c'était compris ou pas? Ou est-ce que vous avez des questions? Il n'y en a pas, c'est super, mais en tout cas, ce que je veux vous exprimer, c'est que c'est. Je dis très clairement, aujourd'hui, les rotations 1-1, telles qu'on les a, sont pour moi périmées. Voilà, c'est dès qu'on est en 1-1, on est beaucoup, beaucoup trop dépendant de la chimie. Voilà. Et on s'est difficilement baissé des niveaux de désherbage ou autres. Si on n'a pas ce que l'on souhaite. Voilà. Alors, ensuite, donc là, on a vu toute la partie semi-direct. Ensuite, moi, ce que je voulais exprimer, c'est toute la partie sur comment on développe des gros couverts végétaux. Aujourd'hui, un agriculteur lambda, quand il va se mettre à dire, allez, je veux faire des beaux couverts, il va monter à 3 tonnes et demi, 4 tonnes, allez, 5 tonnes. Je parle en moyenne sur sa ferme. Après, il va peut-être faire des pics à 6, 7 tonnes sur une ou deux parcelles. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de dire, allez, sur une ferme, sur chaque hectare qui produit des cultures principales, je suis à même de produire au moins 5 tonnes de matière sèche. Et ça, c'est un bon curseur. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que produire 3 tonnes, 4 tonnes en moyenne, c'est faisable. Quand on dit monter à 5, 6 tonnes, là, c'est autre chose parce que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et en fait, tout est beaucoup plus compliqué. Je vais m'expliquer. En fait, là, dans cette technique-là, il ne faut rien laisser au hasard. Typiquement, nous, ce qu'on regarde énormément, c'est les enchaînements de cycles. Et en fait, on regarde le nombre de jours qu'on a disponible entre le moment où on récolte et le moment où on va implanter une nouvelle culture. Voilà. Et ce nombre de jours disponibles, là, c'est le nombre de jours qui va nous permettre de produire de la biomasse. En fait, là, dans la matrice, ce que vous avez en ligne, sur la gauche, là, c'est les dates de récolte. Ce que vous avez en colonne sur la droite, c'est les cultures que vous allez implanter à venir. Donc, si je prends un exemple, je récolte un blé, je vais implanter derrière une févrole d'hiver. D'accord? Donc, c'est la deuxième ligne, troisième colonne. Là, on a 106 jours disponibles.
On sait qu'on a 106 jours sur lesquels on va pouvoir produire de la biomasse avec les couverts végétaux. En fait, ce que vous dit juste cette matrice-là, c'est qu'on a trois types de couverts. Je dirais qu'on a quatre types de couverts végétaux. On a déjà des cas où on ne peut pas produire, on n'a pas suffisamment de jours disponibles pour produire de la matière. Ensuite, on a le vert clair, là, c'est les couverts courts, c'est des couverts qu'on peut produire en moins de 100 jours ou autour de 100 jours. Donc, c'est souvent des paille sur paille, les blés sur blés, choses comme ça, on a autour d'une centaine de jours. Donc là, on va réaliser un couvert court, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des espèces. Souvent, on fait des groupes de 8-9 espèces. Je vais vous partager après les mélanges que l'on fait sur la ferme. Et on va se concentrer pour ces espèces-là arrivent à floraison au même moment. Et ça, c'est extrêmement important. Après, il y a un deuxième type de couvert là qu'on voit, le couvert long. Souvent, c'est autour des couverts qu'on mène autour de 200 jours. Et après, on a les couverts relais. Donc, c'est soit on utilise en fait un couvert court ou un couvert long dans lequel on vient semer. Souvent, c'est une légumineuse pour faire un couvert relais jusqu'au printemps, jusque par exemple un maïs ou des choses comme cela. Ou des féroles de printemps, des tournesols, on arrive à faire des couverts relais dans cette plaque où on a suffisamment de jours entre les deux cultures. Voilà. Donc ça, c'est en fait ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on produit un couvert, la clé, c'est si on veut produire un couvert puissant, avec des gros niveaux de biomasse, il faut qu'on emmène le couvert à floraison sur l'ensemble des espèces au même moment. Voilà, donc là, c'est déjà, quand on se dit ça, c'est assez technique. Et après, l'autre point, c'est qu'un couvert, en fait, il y a différentes strates. Il y a les étages inférieurs, on a les étages intermédiaires, et après, il y a les étages supérieurs. Et là, nous, typiquement, quand on constitue les couverts, une fois qu'on a fait ce choix de ce panier-là de 10-12 espèces qui arrivent à floraison au même moment, après, on s'arrange toujours pour avoir au moins 3-4 espèces qui colonisent les niveaux inférieurs, c'est les niveaux de 0 à 40 cm. Ouais, donc, par exemple, quand vous prenez un colza, ça c'est les niveaux inférieurs. Une veste, c'est vraiment les niveaux inférieurs en début de cycle. Après, si on prend un niveau supérieur, bah, ça va être les moutardes, ça va être du tournesol, ça va être des choses là, où ils vont coloniser les niveaux supérieurs. Et ce qui est clair, c'est quand vous rentrez dans un couvert, le couvert, il doit être extrêmement dense. Ce n'est pas la hauteur qui fait la production de biomasse, c'est vraiment la densité du couvert. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus marquant. C'est qu'il faut que votre couvert soit très dense et que les étages soient extrêmement exploités. Une fois qu'on s'est dit ça, bah vous comprenez aisément, c'est pour ça que c'est très important d'associer les espèces et de monter à minima sur 5-6 espèces par mélange. Voilà. En dessous, en fait, dès qu'on est à 2-3 espèces, c'est déjà pas trop mal, c'est mieux qu'une ou deux. Mais en fait, on n'a pas suffisamment d'espèces pour créer de la biomasse intense, pour créer cette diversification à la fois au niveau aérien, sur les différentes strates, et à la fois au niveau racinaire, où les racines doivent s'entremêler. Et le fait d'avoir à la fois des racines fasciculées d'un côté, vous avez, je sais pas, des gros ailes qui vont vous exploser les structures, bah, on peut avoir une explosion de la structure qui se fait graduellement, quoi. Voilà, donc là je vous ai mis les différentes espèces pour que vous voyez le niveau racinaire. Peut-être quelques commentaires sur certaines d'entre elles. En fait, nous aujourd'hui, on utilise, et on a toujours beaucoup utilisé, de la féverolle. La féverolle, c'est vraiment l'incontournable parce qu'en fait, on arrive à en autoproduire sur la ferme. On ne fait que de la féverolle d'hiver, majoritairement. Les féverolles ont des gros PMG. Même en semi-direct compliqué, en fait, on fait toujours des très belles féroles. Donc, c'est vraiment top. Plus vous augmentez la société, plus les rendements bah, sortent. Féroles d'hiver, en fait, elle fait le double en biomasse. Même avec des colzas associés, tout ça, on met toujours la féroles d'hiver. Voilà. Donc, elle gèle comme les autres. À partir du moment où vous l'emmenez en floraison, il n'y a pas de différence entre féroles de printemps et féroles d'hiver, au final. Féroles, et après, de l'autre côté, en légumineuse, on a la VES, qui est vraiment l'incontournable également, qui est très très productif en termes d'azote. C'est vraiment une très très belle plante. Voilà, ce sont les deux incontournables en légumineuses dans les systèmes. C'est extrêmement important en tout cas. C'est vraiment notre cœur du writer. Après, on est très fan du radis chinois.
Ben, très pratique, très couvrant. Il ouvre également beaucoup les structures. Depuis qu'on utilise beaucoup les semoirs à dents, on est moins fan du radis fourrager parce que lui se lignifie souvent très rapidement et lui nous pose beaucoup de difficultés à trancher la matière. Avec le disque trancheur, on a beaucoup de mal à l'avoir et ben c'est trop lignifié en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir typiquement sur ouais, la facélie se tranche bien, la moutarde également, ça va très bien trancher. Bon, voilà, le radis fourragé est plus complexe. Le tournesol, c'est un peu comme la févrole, c'est que c'est pareil, c'est plutôt tendre, ça passe bien, ça se tranche bien, on peut l'autoproduire. Ouais, c'est un peu la même histoire que févrole. Et bon, il y a un peu d'appétence limace, mais souvent on arrive même au départ de dégâts de limace dans les couverts, on arrive à passer au travers et avoir des pieds de tournesol. Et puis bon, ça égaye quand même pas mal la plaine. Et après, sur les couverts longs, en fait, on utilise beaucoup le seigle, l'avoine. Et là, on voit le système racinaire qui est vraiment très, très prononcé et qui ouvre considérablement les structures sur les phases d'automne, automne, début d'hiver, quoi. Voilà, après, je pourrais vous expliquer plein de choses sur chaque espèce, mais je pense qu'on va être pris, en tout cas, on va être pris par le temps, il faut qu'on avance sur nos sujets. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions en tout cas sur ces espaces-là, n'hésitez pas, je pourrais après vous éclairer, quoi. Alors là, je voulais vous montrer, vous voyez, ça c'est un couvert court. Donc c'est un couvert entre deux blés sur blés. Là, on est à 4 tonnes, on est à 4 tonnes 4 de matière sèche. Donc en fait, c'est un gros couvert et là, on vient semer en direct dans ce couvert-là. On a beaucoup de vidéos, après, vous pouvez aller voir sur YouTube, on a fait beaucoup de vidéos où on se met sous couvert. On a découvert de ce niveau de biomasse-là. Voilà. Donc ça va très bien se mettre. Plus le couvert est conséquent, mieux c'est. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est sur un couvert. Là, c'était à 12 espèces. Et quand on regarde dans les détails, on retrouve les 12 espèces. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on vous se met comme ça un couvert de 8-10 espèces, en fait, on s'arrange pour avoir 50% de notre couvert à base de légumineuses, 50% à base de plutôt carbone. Donc ça peut être des crucifères ou des céréales. Là, quand on fait des blés sur blés comme ça, on met jamais de céréales avant un blé. Voilà. Donc on est vraiment sur une grosse base de composés ou de crucifères. Voilà. Alors, ce qui est assez marquant, c'est que quand on sème à 50-50 comme ça, nous, on observe beaucoup le couvert et en fait, on voit soit un couvert qui est parfaitement équilibré, donc on retrouve autant de légumineuses que de crucifères ou de composés. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on a le cas enfin, ces cas d'équilibre-là, on les a quand on a autour de 50-60 unités disponibles au niveau des sols. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu de carence. Par contre, si vous êtes dans une année où vous faites des gros rendements, et vous avez vidé votre stock d'azote, vous avez très peu de reliquats, vous allez voir un couvert avec très très peu de crucifères et beaucoup de légumineuses. A contrario, un cas contraire où vous avez fait des rendements moyens, en tout cas au-delà de vos attentes, au-delà de vos niveaux auxquels vous avez fertilisé, ben là vous pouvez avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de crucifères qui vont pousser et des légumineuses qui vont être en retrait. C'est pour ça qu'en fait, c'est très important quand on vous se met un couvert d'être toujours sur une base équilibrée 50-50 ou 40-60. Souvent, moi, je fais souvent 40% de légumineuses, 60% de plantes plus carbonées, voilà, pour permettre au sol de balancer d'un côté ou de l'autre en fonction de ses besoins. Okay. Et là, vous allez voir, c'est le couvert qui va permettre de rééquilibrer les sols, quoi. Voilà. Bon, ça, je vais passer au travers de cette diapositive-là. Là, vous voyez, sur les couverts courts, je vous ai entouré en vert l'ensemble des espèces qu'on pouvait utiliser. Voilà, donc là, vous allez venir piocher là-dedans. C'est l'ensemble des espèces où, en 100 jours, on sait que ces espèces-là arrivent à floraison. Et après, nous, ce qu'on fait beaucoup sur les couverts, on fait beaucoup de pesées de biomasse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à produire 5 tonnes de matière sèche, il est impératif de faire des pesées de biomasse et de savoir quels sont vos niveaux de restitution. Ce qui se, je vous le dis ouvertement, les premières années,
je produisais des couverts, je semais sous couvert et je maintenais mon niveau de fertilisation tel que je l'avais précédemment. Ça marche, mais vous allez vite vous apercevoir que vous allez vous retrouver avec des blés versés, vous allez vous retrouver avec des maïs que vous n'arrivez jamais à voir sec, voilà, qui restent verts, qui restent à 34-35% d'humidité. Et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes à ça alors que vos voisins sont à 30-31 au même moment. Tout cela parce qu'en fait, vous pilotez mal, enfin, les éléments, mais notamment l'azote. Donc, c'est très important de bien prendre en compte la dynamique azote qui est très très différente dans les systèmes. Voilà. Je m'explique. Là, le couvert précédemment qu'on a vu en photo, là, le couvert court, vous voyez, il est à 4,6 de matière sèche. Là, ce couvert-là, à l'hectare, et dans les 3 à 4 mois qui suivent l'implantation de la culture, on a 50 unités d'azote qui vont être relarguées, 25 unités d'acide phosphorique et 180 unités de potasse. Et ça va réalimenter le système. Et souvent, on a les deux tiers qui sont disponibles la première année, le conventionnel d'azote organique et le tiers qui est relargué l'année suivante. Voilà, donc c'est la restitution longue. Je ne sais plus si j'ai mis le cas du maïs. Attends, je regarde juste derrière, mais je crois. Ouais, si, je l'ai mis. Donc, on va pas. Je vais vous le détailler après. En tout cas, Julien, je c'est. te fais un Ouais. petit point timing, il reste une demi-heure. Ouais, ok, tout à fait. Donc, Super. c'est impeccable, on est bien. Ok? Parfait. Donc, en tout cas, il faut prendre ça en compte dans vos bilans. En fait, quand on parle de gestion de l'azote est très, très important. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, quand vous semez une culture, souvent, quand vous implantez la culture dans un milieu où le niveau de reliquat n'est pas suffisant pour faire croître la culture. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous semez en direct dans des mulches, le mulch vous absorbe de l'azote. Donc, je prends l'exemple, vous récoltez sortie moisson. Souvent, vous avez 40-50 unités disponibles. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que vous avez les pailles de blé qui se dégradent, qui, elles, vous absorbent, on est souvent autour de 10 unités par tonne, enfin, c'est par 7 unités par tonne de paille. Voilà. Donc, si vous avez 6 tonnes de paille, vous avez déjà 40 unités qui sont absorbées par les pailles qui se décomposent. Et du coup, les pailles qui se décomposent ne laissent pas suffisamment d'azote disponible pour le couvert qui doit s'implanter. C'est pour ça qu'on doit fertiliser au semis et accompagner le couvert que l'on met en place. Même chose après qu'on a implanté la culture, on a un vrai phénomène où vous allez implanter la culture, le couvert, lui, a pompé l'azote disponible, et la culture, sur sa phase de démarrage, va être un petit peu en peine. Pour autant, 6-7 semaines après, quand le couvert va commencer à se dégrader, il va vous envoyer de la fertilité. Mais là, les cultures, au démarrage, il faut les pousser avec de l'azote. En tout cas, l'azote est le facteur limitant. L'acide phosphorique peut l'être également dans certaines configurations. Pour assurer les 8-10 semaines de croissance au démarrage, après, vous allez avoir un relargage qui s'opère par le couvert. Voilà. Et après, bah, vous vous retrouvez à faire la jonction au printemps avec des cultures, pour le coup, là, qui sont très, très puissantes parce qu'elles se sont pris deux pics de fertilisation. Un, souvent minéral pour les agriculteurs qui commencent, organique pour ceux qui sont plus évolués. Après, organique avec le couvert qui se dégrade. Et puis après, on rentre sur bah, souvent la fertilisation minérale pour les premiers apports au printemps. Voilà. C'était une petite aparté, mais en tout cas, la fertilisation, c'est un vrai, vrai sujet sur lequel il faut, quand vous démarrez dans cette technique-là, fertiliser au semis, au démarrage, accompagner. Il ne faut pas accompagner beaucoup, mais il faut accompagner allez, 15-20 unités d'azote dans le rang. Et ça va vous sécuriser considérablement dans vos systèmes. Dès que vous apportez, vous allez voir des gros écarts de levée. Voilà. Ouais, là, c'est quand on sème sous couvert, c'est le sol après le passage du semoir. Un beau couvert, vous ne voyez pas le sol. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la couverture du sol se fait par les étages inférieurs. D'accord? Pas par les étages supérieurs. C'est toujours par les étages inférieurs que ça se produit. Donc, il faut être très méticuleux sur les étages inférieurs, enfin sur les briques qu'on implante des colzas, des vestes, tout ça, c'est eux qui nous font la couverture du sol. Les étages supérieurs, en fait, ça fait des grands brandons. Quand ils poussent au sol, ils recouvrent très très peu le sol et souvent ils se détruisent assez rapidement.
Les couverts longs, c'était vous savez, dans le matrice qu'on avait au démarrage, c'était la partie la plus longue. On sait souvent autour de 200 jours. Ouais, là, ça, c'est un couvert long. Donc là, on voit beaucoup plus de céréales, souvent. Là, typiquement, un couvert long classique que l'on fait sur la ferme, c'est un mélange à 4-5 espèces où on fait vesce, on fait avoine et on peut mettre du triticale ou du seigle avec. Donc, on fait soit un mélange, une association de trois céréales. Et après, on fait deux légumineuses, on fait une févrole vesce, et voilà, c'est parti, on sème ça comme cela. Voilà, en couvert long, on a beaucoup moins d'espèces disponibles, en fait. Donc, on est souvent sur. On peut évoluer sur 7-8 espèces différentes, mais y a beaucoup moins de choix qu'on peut avoir sur les couverts courts. En tout cas, là, je vous ai entouré en vert. Et après, vous voyez, les couverts relais. Donc ça, c'est une vidéo, mais je ne pense pas qu'elle passe là. Elle passe, mais je pense qu'elle va peut-être vous prendre de la bande passante. Je vous montre juste à l'image, là, c'est intéressant, vous voyez, là, Donc, il faut s'imaginer que là, c'était un blé dans lequel était semé un couvert long, donc composé d'avoine, de seigle, de févrole et de vesce. On a ressemé un couvert dedans de févrole, d'accord? Et ça, c'est pour l'implantation d'un futur maïs. Il faut imaginer que quand on va implanter le maïs, les févroles, elles feront 60-70 cm de haut. 3 semaines avant l'implantation du maïs, on va travailler les sols dans ce couvert-là directement. Donc, on va passer avec un appareil à disque. Enfin, souvent, on est avec un rubine. Bref, un appareil à disque pour refaire de la terre. Et on vient semer. Et là, les pailles, vous voyez encore, il y a encore beaucoup de pailles présentes qui sont à la fois du couvert, mais également des pailles de chaume de blé qui sont en train de se dégrader progressivement. Quand vous arrivez au printemps, toute la paille, là, vous voyez encore en surface, aura totalement disparu. Il ne restera plus que les févroles. D'accord? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a apporté une ration donc à la fois avec le couvert court, qui est lui une ration qui est très azotée au final, une ration avec les pailles qui se dégradent, qui est une ration très carbonée, et après on renchaîne avec un cycle de févrole qui est un cycle très azoté. Quand vous faites comme ça, je dirais une triple ration avant un maïs, ça c'est assez faramineux. Et là, nous, aujourd'hui, un maïs comme cela, c'est entre 15 et 20 quintaux de mieux, systématiquement. Des maïs qui sont extrêmement verts. Et en fait, on fait nos rendements maïs avec mi-dose d'azote. C'est-à-dire que quand vous avez un besoin autour de 180 unités d'azote pour un maïs voilà, à 10 quintaux secs, en objectif de rendement, là, on descend à mi-dose, donc on est souvent à une centaine d'unités d'azote. Pour arriver à produire le même niveau de rendement, voire plus, parce que on est sur un gros niveau de reliquats dégagés par le couvert. Je m'explique. Ouais, je ne sais pas si la vidéo va passer. Bon, la vidéo va pas passer, donc on va s'embêter. Bon, je passe cela. Ouais, je passe cela aussi. Vous voyez, là, c'est ce que je vous ai mis. Le besoin d'un maïs. En NPK, c'est 250 et 200. D'accord? Quand vous faites un couvert court, vous apportez en azote autour de 50 unités, autour de 25 unités d'azote phosphorique et 180 unités de potasse. Donc c'est déjà énorme. On voit déjà avec le couvert court, un beau couvert court, on arrive déjà à quasiment alimenter, enfin le volant de fertilité, en tout cas, vous permet d'alimenter le besoin. Du maïs que vous implantez. Et après, ce qu'on aperçoit, si on rajoute un couvert relais, donc là, vous voyez qu'on fait un petit couvert de févrole, un couvert qui fait 40-45 cm de haut. Là, souvent, on est à 1 tonne 6. Quand on commence à monter à 81 mètres, on est à 3 tonnes, 3 tonnes 2 de matière sèche. Là, vous venez compléter. De 40-50 unités, votre besoin d'azote. Donc, c'est là où vous dites, quand vous avez besoin de 200 unités pour le maïs, à la fin, vous n'avez plus qu'à une centaine d'unités d'azote parce qu'en fait, il y a 50 et 40 qui ont été apportées par les deux couverts qui se sont succédés. Et là, c'est assez spectaculaire parce que quand vous implantez le maïs, en fait, le maïs, même si vous le semez un petit peu plus tardivement, il ne s'arrête jamais de pousser et il a une vitesse de pousse qui est vraiment spectaculaire. Et des niveaux d'enracinement qui sont très, très élevés. Donc, ça, c'est très, très beau à voir. En tout cas, pour nous, le maïs, on l'a vraiment mis au cœur de notre système. Il prend de plus en plus de place dans la rotation, même si le réchauffement climatique, c'est de plus en plus complexe de faire des maïs.
ben on s'aperçoit qu'on fait vraiment des super rendements, des plafonds de nos rendements, on remet du carbone avec le maïs derrière, et c'est vraiment ben c'est plus que satisfaisant. Mais il faut savoir enchaîner les couverts, voilà, comme ça. Bon, ça, c'est un exemple très intéressant. On a d'autres exemples. Voilà, là, je vous ai mis ben, les couverts courts, les couverts longs et le mélange de colza, les différentes espèces qu'on utilise. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est ce qu'on a fait sur la ferme. Au final, on a fait trois mélanges cet été. Et c'était trois mélanges-là, ces doses-là. Voilà. Donc, avant, on faisait beaucoup plus d'espèces. On montait à 10, 12 espèces. Et en fait, là, on a essayé de simplifier, de choisir, de sélectionner en tout cas les espèces qui tournaient mieux sur notre terroir et de se concentrer sur les espèces-là, de se concentrer sur les espèces également qu'on sait produire sur la ferme. Aujourd'hui, on a 50%, quasiment 50% de nos besoins en semences, soit que l'on produit, soit que l'on échange avec des agriculteurs locaux. Voilà. Et ça, ça nous tient également à cœur. Voilà. Je vous prends l'exemple du colza également. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer ça, et après, on va revenir sur le mélange. Voilà. Vous voyez, à gauche, c'est le colza associé que l'on sème. Voilà, où ça fait ça fait des gros couverts au final. Voilà. Donc, c'est des mélanges à 6-7 espèces que l'on met en même temps que le colza. On laisse pousser le tout, on sème très très tôt. Voilà. Et vous voyez, la même parcelle, en fait, c'est la parcelle, vous voyez, au 20 septembre à gauche, et à droite, vous avez la même parcelle au 20 février. Et là, c'est extrêmement intéressant, c'est sans intervention chimique, sans rien, juste le fait qu'on ait choisi des espèces qui soient gélives, mais en fait, surtout qui arrivent à fin de cycle, parce que là, c'est une année où on n'avait quasiment pas eu de gel. Voilà. Et en fait, quand on choisit bien ces espèces, toutes les espèces périclites, on n'a même pas besoin de faire d'hormones. Et à la fin, il nous reste juste les colzas. Et on a réussi bah, à développer de la grosse biomasse pour alimenter le sol, pour alimenter le sol en ration, au final. Et tout en ayant implanté en simultané le colza. Donc, aujourd'hui, tous nos colzas associés, on les fait comme cela. En fait, là-dessus, on n'a rien inventé. On a juste repris ce qui se passait. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se passait dans l'est de la France, sur les zones, notamment en Haute-Marne, où là, ils ont des terres beaucoup superficielles. Ils sont beaucoup sur des assolements colza à blé, blé-blé, très peu de cultures de printemps, parce que s'ils font des cultures de printemps, ils se prennent des tôles, parce que voilà, y a pas le sol, il n'y a pas le niveau de sol pour arriver à faire des cultures de printemps. Par contre, eux, ils ont été atteints par du parasitisme beaucoup plus tôt que nous. Voilà. Nous, c'est arrivé, le parasitisme est arrivé il y a 5-6 ans, voilà, et ça a été crescendo, parce qu'il y a de plus en plus de colza qui se faisaient. Et en fait, bah, le parasitisme, c'est quoi? C'est mélygette au printemps, charançon sur la fin d'automne, altise au début d'automne, et des colzas du coup qui sont vraiment abîmés au fur et à mesure. Puis à la fin, vous vous retrouvez, même si vous avez réussi des très belles implantations, avec des rendements qui ont été fortement impactés. Là, en fait, aujourd'hui, en fait, on travaille pour agronomiquement. On arrive à faire des très très belles choses. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on sème les colzas très très tôt. C'est les premiers couverts qu'on implante au final. Donc on implante toujours avant le 1er août les colzas. On les fertilise avec des gros niveaux de fertilisation. C'est-à-dire qu'on envoie 30 unités dans le rang et on renvoie 30 unités en liquide derrière. Donc on est souvent à 60 unités d'azote pour les faire gazer très tôt. Donc on les pousse en croissance pour qu'ils atteignent un stade leur permettant d'éviter les phases d'attaque de début de printemps, donc de début d'automne, excusez-moi, notamment avec les altises. Et bah, on fait des gros couverts pour étouffer le salissement. Et voilà. Par contre, après, on prête beaucoup d'attention au choix de nos espèces de couverts pour les emmener tous à floraison avant le 1er novembre. Et dès qu'on a un petit gel ou même un 1 degré, à partir du moment où les espèces sont arrivées à floraison, on les fait tomber par le gel et on a très peu d'hormones à réaliser pour rattraper les espèces qui seraient passées au travers. Donc, du coup, le mélange que l'on opère là, c'est celui que je vous ai mis là, voilà, où je vous ai mis à la fois enfin, les espèces, les doses en plein, les doses hectares. Vous voyez là, c'est un mélange qu'on sème à 60, autour de 70 kilos. Voilà, on a autour de 45 euros de coût de couvert dedans. On est en autoproduit la moitié. Voilà.
Et en fait, depuis que l'on fait ça, c'est très intéressant, c'est que le fait de se mettre en direct au semoir à dents dans des gros mélanges de paille, en fait, tout a été lié. C'est-à-dire qu'en fait, on a repensé nos mélanges de couverts, on a repensé à nos dates d'implantation, on a repensé aux semoirs avec lesquels on a travaillé. Et typiquement, là, on s'est mis à se mettre avec semoir à dents depuis 5 ans. Et là, c'est vraiment spectaculaire parce qu'avant, on se mettait ça derrière des pois pour que ça gaze et que ça parte très vite. Là, maintenant, tous nos colzas, on les fait derrière les blés. Parce qu'en fait, pour nous, avec le réchauffement climatique, c'est vrai que les étés sont de plus en plus secs et c'est de plus en plus dur de tenir l'humidité. Là, en fait, avec les gros mulches de paille de blé, en fait, on arrive à tenir l'humidité et à semer sous des mulches de paille comme ça. C'est-à-dire que même à partir du moment où on a pris en fait 25 mm, ça y est, c'est gagné, on sait que les colzas, on fera des colzas. Voilà. Parce que on vient planter les colzas, il n'y a plus 25 mm, il y a suffisamment d'eau pour tenir l'humidité quand on a des gros mulches de paille. Et en fait, on vient planter dans les mulches de paille comme ça, en écartant les pailles avec la dent, on fertilise à la bonne dose, c'est parti. Donc au démarrage, vous voyez les rayons, ça paye pas de mine, puis au fur et à mesure, le couvert explose, et vous retrouvez tous vos colzas. Non, c'est juste magnifique. Et même à un moment, si vos colzas, vous voyez que ça rippe, parce que, je sais pas, vous avez eu une parcelle de charançon de la tige, vous n'avez pas fait attention et vous êtes passé au travers d'une vague de traitement ou autre, vous avez fait un beau couvert, donc vous n'avez rien perdu. Vous pouvez enchaîner, vous resemez un couvert long, et puis après, vous enchaînez un maïs derrière. OK, vous avez vos semences de févrole, enfin, vous avez vos semences de colza qui vous ont coûté, mais vous n'avez pas eu très peu de coûts d'implantation, pas de travail de sol. C'est comme si vous semez un couvert au final. Et le seul investissement que vous aurez réalisé, c'est un peu d'anti-limace, le coût du colza et allez, un désherbage. Voilà. Donc, c'est ce type de techniques pour moi qui sont très intéressantes, qui, au-delà du semis direct, c'est vraiment une refonte agronomique des cultures. Et ce schéma-là, il doit être fait culture par culture sur les fermes. Voilà. Je vous ai pris l'exemple du maïs pour vous expliquer comment on menait le maïs. On a pris l'exemple du colza. Je pourrais vous expliquer également comment on gère les blés sur blés dans nos systèmes. C'est extrêmement intéressant parce que du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives et on est très souple dans notre façon de penser à la fois les systèmes, mais à la fois les enchaînements des cultures si l'année ne nous permet pas de faire ce que l'on souhaite. Voilà. Voilà, il est 4 h moins le quart. Après, j'aurai plein de choses à vous expliquer. Mais je pense qu'on a. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de prendre le temps pour vous expliquer le maximum de choses qui étaient importantes. Peut-être qu'il faut qu'on conserve un temps pour les questions également, si vous en avez. Ou la transposition dans vos systèmes également. Vous voyez. Si vous avez des questions par rapport que vous posez sur vos systèmes et sur lesquelles vous souhaitez des réponses, on peut se prendre ce quart d'heure-là restant pour y répondre. Ouais, moi, j'aurais une question. Oui, parfait. C'est plus en système élevage, où on a beaucoup d'effluents, fumier, lisier. D'accord. Et voilà, par rapport à cet apport d'azote sur les terrains, c'est toujours très compliqué en semis direct de savoir quand il faut y apporter, en sachant qu'il n'y a pas de travail du sol. On se retrouve toujours avec de la grosse matière organique au sol, donc on ne sait jamais s'il faut l'apporter en lisier avant le semis ou une fois la culture démarrée pour éviter aussi l'évaporation de l'azote. En fait, on va dire, nous, ces phases-là, on était des éleveurs, en fait. Et dans notre esprit, on a toujours resté éleveurs, au final. Donc, tous les réflexes qu'on a eus, enfin, moi, on a arrêté l'élevage, j'avais 25 ans, il y a 20 ans maintenant. Mais c'était très, très riche d'enseignement. En fait, ça dépend là où tu mets ton curseur et comment tu veux organiser tes chantiers. Il y a plusieurs choses à voir. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est déjà d'apporter des lisiers et du fumier qui sont évolués. Donc, si possible, et si on est en mesure de le faire, d'arriver à les composter au maximum. Parce que le fait de composter, on le fait évoluer. Donc, tu rentres sur des formes organiques qui sont plus rapidement disponibles. Et après, tu as moins de volume en termes de logistique à manipuler. Et du coup, moins de passage également. Voilà. Et pour les sols, parce que même si on est en été, on peut prendre des très gros orages et tu peux abîmer tes sols sur une période estivale. C'est paradoxal, mais ça arrive souvent. Voilà. Donc, il y a ce premier axe, en tout cas, à travailler. Ensuite, le deuxième, c'est de dire quand passe-t-on? Voilà, ça, c'est un vrai sujet. Et moi, je pense là, il faut être très, très opportuniste sur sa façon de passer. C'est-à-dire qu'on peut dire soit
on récolte très très tôt, auquel cas on fait nos apports de fumier, on sème nos couverts. Soit on récolte plus tardivement parce que le climat ne nous a pas permis de récolter tôt, et auquel cas on met priorité au couvert et on attend d'avoir des bonnes conditions pour passer les épandeurs et épandre, et on peut passer directement dans les couverts. Il ne faut pas avoir peur en fait de passer dans les couverts quand ils sont implantés, hein, de rouler dans les couverts. Après, ça repousse sous condition. La seule condition, c'est de passer patte de velours en faisant le maximum, le minimum de dégâts dans les parcelles. Voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas hésiter à aller dans les couverts. Hein. Nous, il y a beaucoup de fermes que j'accompagne où moi je les fais passer. Quand les couverts ils font 30-40 cm de haut, ils passent, puis 3-4 mois après, on ne voit même plus les passages, en fait. Voilà, c'est reparti, quoi. Donc ça peut surprendre au démarrage, mais. Et c'est pareil, plus vous êtes en semi-direct, plus les sols vont être portants, donc vous allez avoir de moins en moins de sujets, en fait. Dès qu'on travaille sur les sols, on perd énormément de portance. C'est terrible. Hein. Après, il y a travail de sol et travail de sol. Et bon, les superficielles, superficielles, et après, les un peu plus profonds, quoi. Ça répond à ta question, en fait? Oui, c'est bon, parfait, au top. OK. Des questions? Oui, Oui, Olivier. vous avez parlé tout à l'heure de fertilisation liquide organique. Oui. Exactement. Ouais. C'est quoi? Alors, pour t'expliquer, en fait, on travaille de plus en plus dans les vignes. On accompagne les viticulteurs pour ce qui, en fait, ils sèment de plus en plus des couverts végétaux entre vendanges et printemps. Voilà. C'est passionnant parce qu'en fait, c'est un univers. Enfin, je vous parle de ça parce que c'est un univers où ce ne sont pas des semeurs, donc ils développent ces techniques-là. Mais eux, après, ils ont une vraie expertise sur l'été de compost, qu'ils font en végétation, sur l'enrobage des semences, tout cela. Et du coup, à force de travailler dans cet environnement-là, bah, nous, on s'est mis à comprendre en fait ce qu'ils faisaient et à répliquer ça sur nos fermes. Donc c'est là où moi j'ai enfin, après les EM tout ça enfin, je me suis toujours documenté là-dessus donc je capte mais jusque-là on avait du mal à le mettre en place sur la ferme et du coup là nous on s'est mis à créer nos propres enrobages d'accord à partir de formulations qu'on avait vues en Viti on s'est mis à enrober nos semences et après nos formulations d'enrobage on s'est mis également à les injecter dans la ligne de semis donc aujourd'hui ce que l'on fait c'est qu'on crée des enrobages avec. On est souvent sur les 5-6 composants. On enrobe nos semences de couverts et de cultures. Donc, tous les couverts, les blés, les févrols, les pois, enfin, tout. On enrobe cela. Donc, on sème en ayant enrobé les semences. Et en même temps, en fait, on a équipé notre semoir de réseau de fertilisation liquide. Et on se met à injecter en liquide. Nos enrobages qu'on avait, nos enrobages liquides qu'on avait développés pour l'enrobage, en fait. Okay. Ça, c'est vraiment super puissant parce qu'en fait, voilà, moi, j'avais des plateformes d'essai en fait, en Viti et quand j'ai vu la croissance des couverts, l'écart, en fait, vous avez, pour faire simple, sur les plateformes qu'on a en Viti, ce que je voyais, c'est que ce qu'on avait fertilisé en minéral, ce qu'on avait fertilisé comme ça, en organique liquide, on avait la même croissance foliaire. Mais après, par contre, là où je prenais 3G à chaque fois, c'est que dès que je faisais des profils racinaires, spectaculaire l'écart. C'est-à-dire qu'en racinaire, vous avez. Alors, je ne sais pas, j'aurais dû vous laisser des photos dans les presses, mais en fait, on a un agglomérat racinaire qui se crée avec la masse racinaire qui fait souvent entre 50 et 75% de plus de volume. Et du coup, le couvert est beaucoup plus résilient. Et pareil pour les cultures. Et du coup, quand on a vu ça, en fait, on a basculé graduellement. Donc, la première année, on a fait 50-50, on a fait 50% minéral, 50% comme ça en riz. Parce qu'en fait, et après, le vrai sujet, c'est une vraie organisation de chantier derrière. C'est-à-dire que quand tu as tous tes couverts à enrober, bah, il faut être équipé, tu vois, d'une enrobeuse pour pouvoir le faire. Il faut être très réactif. Donc, il y a une vraie organisation de chantier. Voilà. Sur la Viti, ils peuvent le faire parce qu'ils ont une petite surface, mais nous, en grande culture, quand tu commences à brasser beaucoup de semences, il faut être organisé, quoi, voilà. Et tu ne peux pas le faire. Enfin, nous, on se donne 72 heures avant, enfin, max 72 heures avant le semis. D'accord? Donc tu peux pas enrober 3 semaines avant, quoi. Donc ça demande quand même un petit peu d'organisation. Par contre, après, pour nous, très grosse économie. Hein, voilà.
Quand là, l'azote s'est mis à flamber, on parlait, on venait juste de mettre en place cette technique-là. Ben, on l'a fait vraiment une bonne année parce que les budgets, ben, avant, allez, on arrivait à fertiliser pour 30 euros. Mais quand l'azote a commencé à flamber, quand vous commencez à vous envoyer 30 unités, vous commencez à mettre 60, 65 euros, 110 euros de l'hectare, ça commence à coûter trop cher. Voilà. Donc, c'est pas organique liquide là, en fait, les prix sont stables. On arrive à fertiliser pour 15, 20 euros de l'hectare au grand maximum. On met là, déjà en mettant le paquet. OK. Je vous rajouterai une slide dans la présentation qu'on vous fera suivre avec ce que l'on les composants qu'on utilise pour enrober en fait. D'accord? Merci. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la fertilisation au semis, elle est capitale. Elle est vraiment capitale. Donc surtout quand vous commencez comme ça, il faut vraiment prêter attention. Je préfère avoir des gens qui s'équipent avec un plus petit semoir en largeur, mais qui soient bien équipés à la fois pour semer et fertiliser. Voilà. Parce que c'est. On est dans un système où en fait on va intensifier le carbone, mais si vous n'intensifiez pas la fertilisation en simultané, vous allez mettre votre système sous contrainte et vous allez en faire en pâtir, enfin vous allez vous dégrader sur le rendement, très clairement. Voilà. OK? Il y a Eric qui avait une question. Oui, Eric. J'avais une question, mais la réponse a été donnée par Julien, puisqu'il va mettre le process d'enrobage dans la présentation. OK. Et après, c'est pareil, enfin, je reviens sur le process d'enrobage. On a mis un peu de temps à trouver la bonne formulation, en fait. Parce qu'en fait, c'est un juste équilibre où, parce qu'il faut que vous reteniez. C'est pour 100 kilos, on ne doit pas dépasser plus d'un litre de liquide. Si vous dépassez ça, les semences ont du mal à absorber ce liquide-là. Et après, vous vous retrouvez sur des mécaniques où vous pouvez encrasser vos doseurs. D'accord? Et pas semer les bonnes quantités. Donc ça, on a eu ces phénomènes-là au démarrage. Voilà. Puis après, en fait, il y a plein de choses qui se font. Enfin, je vous dis juste deux, trois trucs. Là, nous, en fait, on achète des composants dans le commerce et on assemble et on essaie de faire quelque chose de très simple où logistiquement, déjà, on maîtrise notre sujet. Voilà. Et là, maintenant, on est en train de travailler pour dire on produit notre propre matière. C'est-à-dire que là, on a investi dans des bacs composteurs. Donc là, on a six bacs composteurs qui font dans chacun, on met une tonne de marchandises. Et en fait, à la fin, on va récupérer autour de 400 kilos de compost, mais de compost à haute valeur, en fait. Et on va se servir maintenant donc là, c'est des cycles de production de compost frais on est parti pour 9 mois au moins de production. On les met ça sous atmosphère contrôlée. Et à la fin, en fait, on récupère ce compost-là frais pour faire nos têtes de compost, en fait. Et ne plus dépendre de l'extérieur. Donc là, on est rentré dans une nouvelle ère. Par contre, là, c'est quand même un autre niveau. C'est beaucoup de travail, mais c'est du travail long terme. C'est-à-dire que là, on a commencé à remplir nos bacs et on sait qu'on est parti pour 9 mois. Et pour l'objectif, là, c'est d'être capable d'alimenter nos semis de couvert 2024. Et ça, enfin, on ne le sort pas de nulle part. C'est que ça, on le fait en Viti avec deux maisons. Et c'est formidable. Là, ça marcherait très bien. Mais par contre, c'est un peu de travail. Mais là, on est en autonomie totale. En tout cas, c'est ce qui me passionne. C'est que d'ailleurs, on maîtrise le process de A à Z. Là, il n'y a pas de. On maîtrise ce qu'on envoie, quoi. Et quand on voit au microscope, là, j'ai investi un microscope pour regarder ce qu'on fait, en fait, bah, c'est passionnant parce qu'on voit tout, en fait. C'est très beau. OK.